Yo les gens, ici Rafi7250, on se retrouve pour une vidéo sur Grand Tourisme Sport. On se retrouve pour la cinquième vidéo présentation des véhicules de la Mage 1.53 qui est arrivée le 18 décembre 2019. Donc c'est parti, on va présenter aujourd'hui la Crew Athlete G Safety Car. Donc c'est parti, je vous la présente, vous allez voir. Comment l'avoir déjà? Très simple, vous allez voir. Déjà pour l'avoir, il faudra l'acheter ici. Donc du coup cette semaine, on a deux véhicules. Donc c'est disponible du 24 décembre au 31 décembre. On a ces deux véhicules. Donc on a la Dodge Charger SRT Hellcat Safety Car et on a la Crew Athlete G Safety Car. Donc ceux-là, ils seront disponibles jusqu'au 24, jusqu'au 31 décembre. Et le 31 décembre, on aura un nouveau véhicule qui sera ajouté aussi. Donc la Mégane RS. Donc je vais vous montrer d'où je vous tiens l'info. Donc ici, quand vous allez dans les infos sur Gran Turismo Sport, vous allez directement dans Mise à jour. Et ça vous dit vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. Donc voilà, vous allez voir ici, hop. Donc voici le programme de sortie des voitures de sécurité après la Mage 1.53. Mardi 24 décembre, la Dodge Charger SRT Hellcat Safety Car, Toyota Crew Athlete G Safety Car. Donc ça dure 7 jours. Et là, ça nous dit bien le mardi 31 décembre, Renault Sport Mégane RS Trophy Safety Car. Et à partir du 7 janvier, donc normal, c'est 7 jours, une sélection aléatoire des voitures de sécurité, dont la BM M4 Safety Car et Mercedes AMG GT Safety Car. Donc à partir du 7, les véhicules seront aléatoires. Donc peut-être toutes les semaines, ça va changer quoi. Donc c'est parti, on va tester ce véhicule ensemble sur le circuit comme d'habitude de Nürburgring. Donc je l'ai monté en chevaux, elle a 500 chevaux. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est dur, moi, je trouve. On va prendre celui-là. On va rouler, allez, on va rouler le soir, tu vois. 20h30 au soleil. Prendre la voiture en question. Donc celle-là, il faut que je l'équipe, celle-là, j'ai pas encore fini. Voilà, c'est bon. Donc là, on va tester celle-là. Et dans la prochaine vidéo, on testera l'autre. Et à partir du 31, donc ce sera sûrement vers le 2, parce que moi, je serai pas là. Je pars le 31, je reviens que le 2, je crois, à peu près. Ouais, le 1. 1 ou 2, ça dépend. La vidéo de la Mégane RS Safety Car. Donc réglage, faut que je mette les pneus, j'ai pas mis les pneus du coup. Pneus course tendre, ça on va peut-être le laisser comme tel. Hein. Ça, ce qu'on va faire, on va le laisser comme ça. Hop, on va tester ce véhicule. Allez, c'est parti. Donc vous avez, ah ouais, franchement c'est classe comme ça. Donc déjà présentation des véhicules, donc là vous avez pas les gyrophares, oui les gyrophares on va dire. Donc c'est parti, petit tour de circuit sur ce avec cette véhicule. Donc là j'ai mis tard dans la soirée dans le jeu parce que bah allez alors que je fais la vidéo il est minuit 30, minuit 1h je crois. C'est pour ça que j'ai mis si tard. Donc il n'y a pas eu de vidéo 26, il n'y a pas eu beaucoup à part mes vidéos de hotboxing, mais c'est un peu normal. C'était après les fêtes d'où je voulais prendre un petit peu de temps pour me remettre des fêtes on va dire. Donc là les vidéos vont venir à partir de demain. Donc à partir du 27 quoi. Donc j'essaie de vous publier celle-là demain. Cette vidéo-là. Et j'ai une vidéo PC building à vous préparer aussi. Faut que je vous fasse aussi une vidéo de simulateur aussi également. Même malgré que j'ai fini mode histoire, je pense que j'ai quelques lignes à vous préparer, à vous présenter que j'ai créé récemment. Comme expérience, la Mage avec le nouveau DLC arrive très prochainement sur le jeu. Ceux-là sur le PC apparemment ils sont arrivés, mais bon, il y a pas mal de temps. Nous on n'a rien sur console pour l'instant, malheureusement. C'est vrai que c'est un peu brumeux je trouve quand vous jouez quand vous mettez le circuit à 20h30, c'est quand même un peu brumeux on va dire.
changer de vue si vous voulez. Ah, franchement, avec le bitume, je comprends très bien sur la route. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Je comprends très très bien. Après ce que donc l'espace, je ne peux pas vous dire. Bon, on voit qu'il y a une petite brume, comme on voit bien. Je sais pas ce qu'ils vont mettre. Je sais pas ce qu'ils vont nous mettre comme jeu PlayStation Plus au mois de janvier. C'est pas qu'ils vont mettre des bons jeux, ce serait pas mal. Le mois dernier c'était pas voilà quoi, je vois un petit peu j'ai fait juste ma vidéo de découverte sur Titanfall 2, mais bon, c'est pas le truc qui m'a donné envie de continuer quoi. Après on s'en fout, au pire il y a Dragon Ball, franchement j'ai pas encore précommandé ma version à 99 € là. De toute façon on a le temps, on a encore un mois pour la précommander. Même si vous pouvez même précommander le jeu, le jeu sort le 17 janvier, vous pouvez même précommander le jeu le 16 janvier, ça, vous aurez quand même votre précommande quoi. Donc, au pire on n'est pas pressé quoi. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Donc moi j'ai eu pas mal de thunes, je vais pas vous dire combien j'ai eu, mais j'ai eu à peu près 100 € je crois à peu près. Donc ça, ça me permet de renouveler mon abonnement PSN, c'est classe. Et je vais me prendre une ou deux pop, sans pop plus cher. Donc je vais voir, je vais peut-être me prendre ça. Après j'ai du chocolat. Une tasse Star Wars j'ai eu. Un mug Star Wars j'ai eu. Après j'ai eu mes deux pop par ma copine, donc la Vegeta Super Saiyan Final Flash. Et la pop Goku Super Saiyan Blue, mais la nouvelle version quoi, pas l'ancienne version quoi. Quand il est en posture de combat quoi. Et j'ai eu par mon frère et puis ma belle-sœur la pop Star Wars bébé BE9E. Donc pas mal. Là les prochaines pop que je voudrais me commander, ce serait la pop de Jiren, parce que ça fait pas mal de temps que je veux, et il est toujours sur Pop Culture, donc en France c'est assez chaud. Micromania ça fait depuis on va dire facilement depuis le mois de septembre que je leur demande à chaque fois, ils font non on devrait pas tarder à l'avoir, mais ils l'ont même pas encore à la pop en magasin. Et je vais me prendre aussi une pop Fairy Tail, j'aimerais bien me prendre la Galjeel. Pour ceux qui connaissent le manga, c'est comment il s'appelle, le chasseur dragon de métal. Un peu comme là-dessous, mais sauf c'est de métal ou de fer, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle est vraiment belle cette pop-là, elle a l'air magnifique. De toute façon, je pense que maintenant je vais essayer de me. Le Dragon Ball Z pendant ce temps, j'en ai pas. À part la Vegeta, je voudrais avoir la Vegeta Super Saiyan 2. Et après, voilà quoi. Je vais essayer de me concentrer sur les pops de Fairy Tail pour finir les nouvelles collections de Fairy Tail quoi. Parce que je crois qu'en nouvelle pop, il y a Galjeel, il y a Frost. Donc Frost, c'est je sais plus quoi. C'est un des chats qui est avec les chasseurs de dragons, mais je sais plus lesquels. Rogue et puis je sais plus quoi là. Rogue et Sting. Et après, il y a Galjeel et puis son chat, je sais plus comment il s'appelle. Son chat noir là. Un peu comme Happy, sauf qu'il est noir. Et il y a Zelef. En pop. Donc je crois qu'elle a 4 ou 5 nouvelles pop. Et Gadget, il y avait aussi la version en métal, sans qu'elle était
Il était comme s'il était transformé en métal, mais déjà, je pense que ça va être chaud à l'avoir maintenant. Et pour celle de Et pour celle de Vegeta, quand on se personne Blue, vous l'avez en Gloom the Dark ou en normal quoi. C'est-à-dire qu'il y a les. Il y a les éclairs et les yeux qui brillent dans le noir quoi. J'aimerais bien qu'il fasse les pop Final Fantasy, ce serait trop bien, Final Fantasy 7. Enfin les pop, ce serait vraiment trop puissant quoi. Mais bon, faut pas rêver quoi. J'espère que vous allez bien m'entendre, je vais pas trop parler trop fort dans ma vidéo, par quoi que je réveille ma copine et puis ma fille quoi. Ils sont en train de dormir, mais on va pas trop les réveiller. Ah ça claque bien quand même comme ça. Une bonne petite pointe, hein. 230, 240, ouais, peut-être. Donc là, je vais gagner une bagnole, normalement. J'ai fait mes 40 km hebdomadaires par jour. Quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent pas trop votre Grand Tourisme, tous les jours, quand vous jouez en ligne, vous gagnez une voiture par jour. Quoi. Donc ça vaut le coup, je trouve. Vraiment pas dégueu parce que... Après c'est des fois c'est des voitures pourries quoi. Alors, on va voir ce que je vais gagner comme voiture. Quand puis là il flotte, c'est chiant. Voilà, nickel. On va voir ce qu'elle a fait comme temps. Donc on va se mettre en mode photo pour voir le véhicule de plus près. Ah, j'ai même pas fait mes 40 km. Mode photo, attendez. Rediffusion. Ah, j'ai pas vu le temps qu'elle a fait. Oh bah c'est pas grave, on reviendra après. Mode photo. Voilà. À pied. Ah franchement, elle est stylée je trouve. Oh, les jantes sont belles les jantes. Ils sont pas mal, franchement. Ils sont vraiment pas mal. Vraiment pas mal comme véhicule, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, la couleur, ça leur va trop bien, le jaune. Le jaune comme ça, malgré que normalement, les 50 cars, c'est des voitures grises, normalement, je crois, souvent. Après, tout dépend. Mais elle est vraiment magnifique, je trouve. Elle est vraiment belle comme véhicule. Et c'est même écrit grandtourismo.com. Ah, trop bien. C'est classe, ça. Souci du détail, on va dire. Du coup, classement, elle est combien au niveau classement quitté? Donc, du coup, est-ce qu'elle est dans le classement ou pas? Ça m'étonne rien. Non, elle est même pas dans le classement. Non, elle est pas dans le classement. Elle est hors classement. Non, elle est pas dans le classement. Donc, je vais voir ce que. Ah, non, je peux pas voir ce que je vais avoir comme voiture parce que je l'aurai qu'après. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo, normalement, si je vous fais la prochaine vidéo. Donc voilà cette nouvelle vidéo, présentation de la mage 1.53 des essais des véhicules est terminée. Donc je vous dis une prochaine pour un prochain épisode. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Suivez, bye bye, porte-moi, peace.